Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon, alors ça y est, hein, le froid, je dirais pas qu'il est fini. Non, c'est un peu froid. Ouais. Là, il fait 8-9 degrés. Oui, ça va mieux. On va commencer un peu de semi-salade. Hein. Donc, je vais vous montrer encore trois façons de faire les salades. Donc, la première chose, ça sera en plaque alvéolée. Là, c'est un morceau. Hein. En principe, c'est ça. C'est cette partie-là, une grande comme ça, de haut, ben. Donc on a découpé. Alors ça c'est des morceaux, ça arrive que ça casse, hein. Quand c'est très vieux ça casse. Donc là ben, ça a été coupé, propre. Hein. Ça se coupe avec une disqueuse, hein. Avec un disque assez fin. Ça se coupe tout ça. J'ai essayé la scie, mais quand ça accroche, clac, ça éclate. Oui. Donc un disque, ça va nickel. Hop, un petit coup de tapis de verre pour enlever les bavures et puis voilà. Pour toi, ben, j'ai un petit morceau de plateau de 40, vous allez voir un grand plateau. Voilà. Bon. Mini-serre de chez Action. Et c'est sur le buson, hein. C'est pas le choc qui a crié. petit godet. Ça, c'est du 7, vous pouvez prendre du 9, vous prenez ce que vous avez. Du fond rond, ça marche aussi. Hein. Du rond, du carré, c'est vous qui c'est voyez. Selon ce que vous avez. Voilà. Voilà, je ne cherchais pas des pots carrés parce que j'ai mis des pots carrés. Il n'y a rien à voir. Même dans un pot carré, les salades vont pousser. Bah oui, bien sûr. Même dans un pot rond. Des contenants en polystyrène. Voilà. Qu'on trouve chez le poissonnier. Chez le poissonnier, voilà, c'est même pas. C'est des... Non, là, c'est peut-être. Caisse à viande. Oui, caisse à viande. Oui. Voilà. Alors, ça, c'est chez le poissonnier, avec des trous. Oui, avec les trous. Et je préfère ceux-là parce qu'ils sont. Sont plus épaisses. Hein. Plus épaisses et plus hautes. Bon, le transport, déjà, c'est ça casse pour aller pour un autre. Oui. Et puis une couverture dessus, comme un carreau, une tôle, un morceau de. De plexi. Polycarbonate. Polycarbonate. Voilà. Voilà, ça sera pour le semis de salade. Eh ben, il nous en faut des choses, Jaco. Il faut faire trois choses différentes, oui. Ouais. Si je ferais qu'une chose, une seule chose, j'aurais composé tout ça. Bon. Et bien sûr. Bah, les graines. Ouais, puis le plus important aussi. Ah, pardon. Le terreau, c'est le terreau que je vous ai parlé de la dernière fois. Ça va, il est beau. Hein. Il est très beau, pas mal. Il est bien noir, bien souple. Ouais, ouais, il est beau. Voilà. Il n'est pas trop sec. C'est bien, impeccable. Il n'est pas trop sec, surtout pour les plaques alvéolées. Hein, pour que ça soit un peu humide. Ok, je vais vous rappeler comment on fait. Allez. Tu as de rappel. On y va. Hop, on est à la place. Voilà. Donc, une plaque alvéolée, ça se remplit en deux fois. Donc, bon, remplissez généreusement. Une première fois. Vous y allez, hein. Alors, c'est là où vous jouez du piano. Vous tassez un peu, pas non plus que ce soit non plus de la mise. On dame fort, c'est pour la marche. Hein, voilà. Parce que la marche aime bien les sols durs. Et là, on tasse simplement. Voilà, juste un petit peu comme ça. Mm-hmm. Ensuite, on repasse un coup de lame dessus. Hop, pour mettre un peu de terreau et voir comment c'est. Alors, faut pas que quand vous allez mettre faire le nid pour la graine, faut pas que ça soit trop mou. Hein, si on dit que vous allez arroser, tout se barre. Donc voilà. Et puis il faut que la racine ait quelque chose pour se tenir. Si c'est trop. S'il y a trop d'air, c'est pas bon. Quand vous allez démonter, vous allez avoir tout qui va s'en aller. Hop. J'ai raclé avec le petit outil qui va bien. Le deuxième outil qui va bien, je ne l'ai pas ici. Ah, il est resté dans la serre. Il est resté dans la serre. Donc. Bon, allez. Bon, ça, c'est les aléas du gano préparation de vidéo. Hein. Eh oui. On fait suite. Donc, okay. Moi, j'ai ça. Bon, alors. Voilà, ça me fait bien le diamètre. Ça va, attends. Ça me fait le diamètre de mes alvéoles. Voilà. Donc, ce qui peut remplacer ça, c'est un manche à balai. Oui. Un manche à outils, ce que vous avez. Ce que vous avez. Mais il faut que ça remplisse bien. Il faut que ça fasse un bon petit nid douillet pour la graine. Alors, bien évidemment, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, on adopte cette méthode depuis bien longtemps. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Donc, bon, bien sûr, pour vous, ça va être une petite piqûre de rappel. Et puis, voilà. Pour les nouveaux, voilà. Bon, là, en ce moment, c'est. On entend beaucoup parler des semis d'aubergines, poivrons au mois de janvier.
Bon, c'est possible pour tous ceux qui ont, bah, qui font pousser sous lampe ou qui ont des vérandas. Mais une véranda chauffée, il faut entre 18 et 21 degrés pour que ça germe des poivrons et des aubergines. Donc pour ceux qui n'ont que des serres froides, je déconseille maintenant. Et puis pour ceux qui n'ont pas trop de lumière chez eux, les journées sont quand même courtes au mois de janvier. Attendez, je me mets du terreau partout. Attendez le mois de février, ça sera mieux. Déjà vous allez voir que ça va lever plus vite. Et puis vous allez moins galérer à les conserver. C'est certain. À l'abri du froid. Donc voilà. Donc en serre, c'est possible. Avec des lampes échauffées. Donc si c'est pour semer 5 poivrons, 2 aubergines, le coup des lampes. C'est peut-être pas intéressant. Faut les amortir. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est un morceau de plateau. Il y a 40 trous. Et alors, donc là, on va faire semis. Donc je vais semer 40 graines de salade. Je vais en mettre 2 par alvéole. Et ensuite, j'en ai eu. Ça, on vous remontrera au fur et à mesure, bien sûr, voilà. De la levée. Alors, on va faire trop, ça sera toi qui relève. Voilà, la verpio. Alors, la verpio. Voilà. Février, on est fin janvier. Oui, fin janvier. Voilà, mais ça, bon. Ça part en serre. Ah, puis elle est bonne, la verpio. Hein. Elle est très bonne. On l'a goûtée, là, celle qui nous gênait dans la serre, là, on l'a ramassée. Elle est très bonne. Donc en plus vous pouvez reproduire vos graines. Hein. Donc, pour faire vos graines, à savoir que la salade doit faire son cycle complet. Une salade qui monte prématurément sans faire son cœur, ne faites pas de graines avec ça. Hein. Sinon je vais vous engueuler. Donc c'est triste quand même de laisser monter une belle salade qui a bien paumé. Eh ouais, mais il faut en sacrifier une ou deux. Ou voire deux. Hein. Voilà. Avec une salade, vous faites des milliers de graines. Oui, mais comme on n'est jamais sûr. Je voulais rectifier un truc que j'avais dit dans une précédente vidéo. J'avais dit qu'il y avait 2000 graines au gramme. Ah ouais, tu t'étais trompé, Jaco. Ah ouais, je me suis trompé. Ah oui. J'ai fait l'erreur. C'était 800 graines au gramme. Bah, déjà 800 graines. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Quand vous achetez un sachet de graines qui a 2 grammes, ça vous fait 1600 graines. Faut y aller. Voilà. Bon, je vais pas vous faire le plateau complet. Non. Arrêter les vidéos, on en prendra après. Sinon, j'y vais barber tout le monde. Hein. Donc voilà, j'ai bouché 40 trous. Donc ça fait 80 graines environ. Avec, 80, avec un paquet, si vous faites 80 graines au coup, on avait pour un vous moment. Êtes parti pour un sacré bout de temps. Oui. Voilà. Donc là, je vais prendre mon tamis de compétition. Je vais passer à nouilles. Elle s'y va fort bien. Oui, ça va très bien. Donc un petit tamis. Parce que si ce tamis, c'est pas tu. C'est drôle, Jaco. Je fais du patou. Hein. Ah oui. Alors, voilà. Je vais essayer de me mettre comme ça. Vas-y. Donc là, je vais saupoudrer du sucre vanille. Alors vraiment léger, hein. Saupoudrage léger comme ça, ça suffit. Hein. Voilà. Et je remets ça dedans pour mélanger avec le reste. Maintenant, on reprend la spatule. On va faire du plâtre. Hop, un petit ratissage comme ça. Voilà, maintenant. L'étiquette qui va bien. Et celui-ci. Kevin d'Alibaba. Hop, une petite étiquette qui va bien. Un crayon aussi. Et puis on écrit ce qu'on vient de semer. Un crayon de bois. Sur l'étiquette plastique, ça marche très bien. Du HB2. HB2, et pour HB2. Le nettoyage, c'est pareil. À l'éponge. Après, à l'éponge, gratuite. Alors là, j'ai marqué la variété, Verpio. Verpio. Voilà, et je marque aussi la date. Donc maintenant, aujourd'hui, on est le 24. 24, oui. Non, 24. 24, oui. Ouais, excuse-moi. 01. Pourquoi je marque la date? C'est pour me rappeler la date du semis. Ben oui, malgré que je vais noter ça. Ça va être noté, mais quand vous êtes en place, on va retourner chercher le cahier. Oui. Hop, ça c'est prêt. Maintenant, il suffira de pulvériser un peu d'eau. Hein. Hop. Ça pareil, ça c'est charpompe, mais chadoc. Et puis ça vient aussi du même magasin. Hein. Ouais, même magasin qui a une petite serre. Voilà. 2 balles. Ouais, même pour. Ouais, ça dépend des moments. Bien. Et puis ben, ça fait joli, il y a 3 ans. Voilà. Donc sans noyer, bien sûr. Hein. Faut quand même bien, la première fois, il faut bien mouiller quand même. Bien mouiller, puis après, voilà. À surveiller.
il n'y a pas assez d'eau. C'est rien, on en remettra après. Ouais, voilà. Et après, ça va aller dans la petite serre. Je vais vous faire voir après. Hein. Après. Ouais, on fera voir ça après. Ok. Hop, je prends ça. Là, ça va être un peu long, je suis désolé. Hein. Oui, du coup, oui. Comme vous avez remarqué, en ce moment, on ne met pas beaucoup de vidéos. Parce que j'ai submergé de commentaires. On est submergé de commentaires et puis. Bah, c'est agréable. Oui. On veut répondre à tout le monde. Voilà. Donc je pense qu'on finira par simplifier les réponses. On mettra un QR quand ça sera juste à mettre un QR et puis il n'y a pas de question. Un petit émoticône, voilà. Sinon, il nous faut la semaine, quoi, parce que bon, entre les heures de travail et puis on n'est pas tout le temps sur Internet. Et non. Et puis il y a aussi les questions qui nous arrivent sur Facebook. Oui. Parce qu'il n'y a pas que sur YouTube, donc il y a ailleurs aussi, donc il faut répondre partout. Bon, voilà. Alors, deuxième sort. De toute façon. Là, alors ça, vous allez dire ça va faire beaucoup de salade. Oui, ça va faire beaucoup de salade. Donc, vous semez, pas trop de ruches. Là, vous éparpillez bien les graines. Je vais vous faire ça. Ça sera plus simple. Allez, on fait coup de jacou. Donc, terreau. Je remplis la caisse. Voilà, à savoir que le terreau, après, il n'est pas foutu. Non, il suffira de l'artamiser. Voilà, on fera tout ça au fur et à mesure. Voilà, alors j'ai un petit sabot que j'ai fait. Un morceau de planche, deux morceaux de planche, un pour faire la poignée, un pour faire la donneuse. Fabrication artisanale de quelques années. Voilà. Alors vous tassez légèrement, ça sert à rien non plus d'appuyer trop fort. Voilà, alors c'est rempli, je dirais, aux trois quarts. Aux trois quarts, hein, il reste quoi, un centimètre hein. À peu près. Un centimètre du bord. Ah, et moi, ce que j'aime pas, que les racines souffrent. Parce que souvent, quand ça commence à pousser, là, vous voyez votre salade qui commence à jaunir. Les premières feuilles jaunissent, ben, ça dépérit. Parce que bon, il n'y a pas assez de substrat. Donc là, une caisse comme ça, remplie un bon trois quarts. Voilà. Donc là, j'ai damé comme ça, mais je vais décompacter la surface. Voilà. Là, on va semer laquelle, là, maintenant, Jaco? Allez, là. Non, pas la bergeloise, je vais prendre la lilloise. Allez, c'est parti pour la lilloise. Une bonne salade aussi, celle-là. Ouais. Laisse rentrer. Pour pas dans le sac. Là, c'est la graine noire. Ah, c'est vraiment une graine noire, celle-là. Bah, ouais, ça va pas être très. Je vais essayer de rester au plus près, Jaco. Tu verras pas. Si, on les voit tomber. On les voit tomber. Oui. Voilà. Pourquoi j'ai dit pas trop serrer? Parce que si vous serrez trop, ça va filer. Étant donné que ça va sortir, ça va lever de rue. Donc, si la salade n'a pas de place, si elle n'a pas la place en largeur pour pousser, bah, ça va faire la place en hauteur. Donc, ça va filer, ça va vous faire une petite salade tout filochée. Voilà. Donc, pourquoi on se met autant? Pour en prendre quelques-unes pour repiquer. Eh bien, la manger en petite salade. Voilà, la manger en très jeune salade. Une caisse comme ça, pour des personnes, vous faites de repos le soir. Facile. Ouais, vous prenez la salade quand elle est à 10 cm, vous la coupez. Et puis hop, ça rigole. Calme-toi, Jaco. Ouais, et là, la même chose. Voilà, on saupoudre très très légèrement. Voilà. Ça rien juste de... pour couvrir. Voilà. Alors là, par contre, niveau arrosage, Jaco, du fait que c'est quand même un bac assez, assez haut... Là, je colle mes graines. Ah, pardon. Ah, t'avais pas fini, oui. Non, je colle mes graines. Oui. Ça rien. Mais appuyez pas trop fort, hein. Ça rien. Oui. Donc, voilà. Je disais, pour l'arrosage, on va pas y aller au plus levé, là, aussi. Bah, si vous avez un arrosoir assez doux, comme nous, on a des rampes. Des rampes. Des rampes. Mangez ça. Avec ça, monsieur, jamais non plus, pas comme ça, je mets les trous au-dessus. Dans l'autre sens. Ça casse le jet. Hein. Voilà. Je mets comme ça, je passe au-dessus. Hein. Et ça, je vais vous montrer après. Bah oui, parce que là, on va pas faire ça ici, hein. On va mettre de l'eau partout. Donc là, pareil, là, je mets une étiquette aussi. Alors, j'ai mis là. Lilloise. La lilloise. Il y en a toujours 24. Bah oui. Toute la journée. Il paraît, même s'il pleut. Hop, je mets ça au bas. Voilà, vous pouvez me mettre piqué au bouffon. Ah, puis au fond. Voilà. Voilà, la troisième façon, c'est avec ça. Mais je ne vais pas mettre le terreau là-dedans directement. Parce que comme j'avais dit un coup,
n'y a pas de trou. Non, il n'y a pas de trou là. Alors quand vous arrosez, si vous arrosez de trop, ben, ça va flotter dedans, hein, ça va tremper. Ça va pourrir. Et si vous arrosez quand vous pulvez, souvent quand il commence à faire chaud, vous pulvez, vous arrosez sur un millimètre ou deux et le reste en dessous c'est sec. Donc ce que je vais faire des trous. Non, je plaisante. C'est là qu'intervient les godets. Les petits godets. Là, c'est du 7, vous pouvez prendre du 9, comme j'ai dit, du rond, ce que vous avez. Du rond, du carré, c'est ce que vous avez. Hein. Du rond, du carré, du ovale, des barquettes plastiques à fraises, des pots à... Non, ce que vous avez, un truc qui a un trou. Un pot à yaourt, des gobelets aussi. Des gobelets plastiques. Ouais. Vous pouvez qu'il y ait un trou en dessous pour que le passe. Ça fait un gros temps. Hein. Bah, c'est bien parce que bon, je vais dire ça. Hop. Un chasseur. Voilà. Tu referas voir tout doucement, Jaco. T'es allé trop vite, ouais. Oui, t'as été trop vite. Pour ceux qui ne connaissent pas, oui, tu es allé trop vite. Donc, je remplis. Je remplis bombé. Je dame un coup. Ça, c'est pour chasser l'air. En fait, et je racle. Voilà. Vous pouvez faire au ras. Quand vous allez arroser, ça va s'enfoncer un peu. Voilà, hop. Voilà. Là, ça sera la suivante. Donc là, on va faire la gotte de l'os. Je vais faire la gotte de l'os. Ça, c'est la jaune. La gotte de l'os. Une graine blanche, noire. 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 Belle noire. Ah voilà. Bah non. Je vais faire des blagues. Bon. Là pareil, il faut pas se mettre au dru non plus. Hein. Voilà. Je dirais qu'un sur un truc comme ça, 15 graines. Bon. Voilà. Après, je continue. Hop, hop, hop. Tu vas mettre et comment on va récolter ça et comment on va, ça, ça on va gérer repiqué, ça. Ça va être repiqué après, mais ça je vais le dire après. Ah, je vais trop vite moi. Tu t'es grillé les étapes. Ah oui, carrément. Tu te précises d'arriver au mois d'avril. Bah ouais. Déjà il fera meilleur. Voilà. Ah. Alors, même position, hein, ça se couvre quand même. Très peu, tiens, comme d'habitude. Un tout petit peu. Là on tasse pas un peu pour les. Pour couvrir avant. Pour couvrir avant. Ouais. Je vais prendre ma damar. Hop. D'accord. Ouais. Ok. Comme ça. Ça marche. Alors ça, là j'en ai fait trois. Ça m'a fait un peu près. À peu près une trentaine de salades à piquer. Ouais, ouais. Bon, ils seront enlevés de. Moi je les ai repiqués en godet très très tôt. Quand ils font à peine. Un centimètre de haut. J'ai remarqué que ça prend mieux. 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 Mmh. Moins de perte. Hein, ouais, ça reprend beaucoup mieux, ça, c'est moins grand à se lever, parce que quand c'est des grandes feuilles, ça se couche, puis quand ça lève. Voilà. Donc là, pareil, après, on peut relever, on fera le pulvé dessus. Hein. Voilà. Donc, toujours l'étiquette avec la date. Je vais prendre une petite, c'est la mieux. Donc maintenant on va semer de la salade qui est blanc, du poireau. Non, du poireau. Donc là je vais semer parce que là on est fin janvier, on sème le poireau d'été. C'est le poireau qui va pousser plus vite à récolter plutôt en saison. À partir de juillet on peut commencer à récolter. Juillet, août. Juillet, août, oui. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a un coup de froid il va geler. Hein. Le poireau c'est résistant au froid. Hein. Donc voilà. Alors, vous pouvez semer pour ceux qui ont fait des petits tunnels. Vous n'êtes pas obligé de semer en pot ou en caisse, vous pouvez semer directement en pleine terre. Mais quand même couvrir d'un voile. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Non, bah bien sûr, si on habite dans un coin où il fait très très froid. Oui. On met un voile par sécurité, puis ça force à le lever. Mm-hmm. Hein, le lever plus vite. Mais sinon, ça résiste au froid. Donc voilà. Et pour ceux qui n'ont pas de serre ni de châssis, bah, vous attendez plutôt au mois de mars. Faut attendre un peu. Donc vous mettrez plutôt du poireau pour l'hiver. Un peu de soleil, 40 ans. 40 ans, c'est pas son âge. Non, c'est la ça variété. S'écrit pas. Donc voilà. Nous, après, je mets du poireau chaud. Poireau chaud, poireau malabar. Du poireau chaud, c'est du poireau d'été. Voilà. Et vous pouvez faire les deux. Comme ça, ça va alterner vos récoltes aussi. Le poireau d'été, il sera repiqué
la grosseur de vraiment très fin, il sera pas très gros. Pour l'hiver, il sera gros comme ça, comme vous l'avez piqué au mois de juillet, août. Août, dernier carrément, après c'est trop tard. Et poireau d'été, par contre, quand vous allez repiquer, il va être, je dirais, un peu plus gros que ça. Hein? Donc, il va falloir de la patience pour le repiquer. Mais par contre, il part très vite. Ça part très vite, hein. Il va pousser très vite. Ouais. Voilà. Quand je dis très vite, pas le temps de vous retourner. Non. De toute façon, les poireaux, c'est super long à pousser. C'est déjà long, c'est une à lever, culture, hein, assez longue. À lever, il faut compter entre 2 et 3 semaines. Ouais, 3 semaines. C'est comme un oignon, c'est assez long. Donc, moi je vais les faire en pot contenant 3 litres, c'est ce que je préfère, 3 litres. C'est pratique. Hein. Voilà, 3 litres, je mets une centaine de graines dedans. Ça prend pas beaucoup de place. On va en avoir 60, 70. Et puis j'aime bien, c'est parce que la hauteur. Ouais. Et ça c'est nickel pour avoir les grandes racines. Pour les poireaux, il faut des grandes racines. Alors on remplit. Toujours même terreau, universel. Bon, si vous prenez du terreau de semis, c'est pareil, mais là on se consomme. Bah oui, là oui, c'est des grands contenants. Hein. Là, c'est pour ça. Donc, tu vois, on chasse l'air, on casse, ouais. Okay, c'est un petit morceau, il y a un petit morceau de cuillère. Voilà. Pour ça, par contre, c'est des graines noires, ça c'est sûr. Graines noires aussi, oui. Alors là, je vais essayer de me mettre. Alors, pour un pot comme ça, je vais mettre un vrai saut. Ok. Ça fait. Un petit peu plus, ouais. Je dirais, là, ça fait une centaine de graines. Et les poireaux, il y a combien de graines au programme? Oh, je sais plus. Ok, je sais plus. Non, je m'en souviens plus. 400 graines au programme. Là, ça va jusqu'à 400 graines, c'est pas précis. On voit? Ben, je... On voit que peut-être. Je sais pas, on verra. Voilà, donc le pot est rempli aux 3 quarts, hein. Non, plus que ça. Hein. Ouais, j'allais dire. Là, je laisse, je laisse 1 cm ou 2. Ouais. Voilà. Et ça suffira. On essaye de bien éparpiller les graines. Au maximum, voilà. Et on va couvrir avec le tamis aussi. Toujours. Hein, toujours une fine couche de terreau par-dessus. Très fin, ça sert à rien de mettre trop. Voilà. Voilà, arrosage avec la robe d'arrosage aussi. On peut, ouais. Ok. On va la dernière un peu sur nous. Bon, mais ça rentre tout pile, dis donc. Tout est calculé. Ouais. Je plaisante, là, c'est au plus. Ouais, là c'est un coup de bol, hein, j'ai un coup. Voilà, moi j'en ai fait un pot. Donc je vais en faire un deuxième. Bon, pas nous, c'est pas venu d'habitude. Voilà. Alors, étiquette. Toujours. Il faut toujours mettre une étiquette. Voilà, Malabar. Non, c'est un B, pas un D. Malabar. On est le. On a toujours le 24, Jaco. Le 24, oui, pour le 21. Je peux vivre. 0-1. Ça, c'est là-dedans. Et ça part en serre. Allez, on y va. On va planter ça en serre. Donc voilà, on est arrivé dans la serre. Petite serre. Dans la serre petite. Ça fait 80 cm de moins là. Donc petite. En longueur, c'est la même. Oui, pareil. Bon. Voilà. Donc. Tout est installé. Il y avait déjà le tunnel où on avait mis des salades qui sont encore là. Il commence à développer pas mal. Donc les journées sont plus longues. Oui, ça commence à. Voilà, donc là c'est déjà fait en place, on n'a plus qu'à mettre dessous. Donc si vous n'avez pas d'arceau, vous mettez le voile directement dessus, c'est pas gênant. Si il fait froid chez vous, vous pouvez même le doubler. Vous doublez le voile, vous mettez en double dessus. Donc là je vais arroser parce que. Il faut toujours maintenir humide. Hein. Alors voilà, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais. Donc on arrose doucement. Voilà, doucement. De toute façon, on voit ça pénètre tranquillement. Voilà. Voilà. Alors pour ceux qui mettent en bac vert, attention qu'il ne reste pas trop d'eau dans le bac. Que s'il fait froid puis qu'il gèle, le bois va geler. C'est pas bon. Donc il faut que ça soit absorbé de la journée. Et il faut que ça reste toujours humide. Humide, mais pas détrempé. Donc de ce temps-là, je dirais un arrosage une fois tous les 4-5 jours. De toute façon, un semis, ça surveille tous les jours. Pourquoi il y aurait des attaques de limaces et... Bon, voilà, on est à l'abri de rien. Non, on est à l'abri de rien. Donc là, je vais faire ça, ici. Alors ici, c'est couvert. Il y a des carottes qui arrivent là. Là, c'est ça. Là-dessus, c'est la cloche. C'est sûr qu'il y a des trucs d'aérateur fermés. En tout cas, là, il y a les deux. J'ai mis deux sortes de salades.
Et puis j'avais fait ça aussi pour mes poireaux, mais là je vais peut-être pas me mettre tout de suite. Non, parce qu'il y a des limaces dedans. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq qui sont rentrées dedans. Voilà. Donc ça, sont rentrées dans les alvéoles. Bon. Les vilaines. Donc là on va regarder ce qu'on va mettre après, hein, Jaco. Mais voilà. Bon, c'est le principe, hein, c'est pour montrer le principe. Voilà, ça c'est un mèche, je mets ça sur les pots. Pas mal, hein. C'est pratique. Voilà. Là j'ai l'étiquette. Voilà, je voilà. Mais là, je vais faire ça tout de suite, je vais faire ça. Et après, j'avais dit un poireau, ça ne gèle pas. Voilà. Et ensuite, ben, on referme. On referme le... Voilà, puis à ce moment, ben, vous laissez fermer tout le temps. Ça ne sert à rien d'enlever le voile. Et une araignée. Araignée loup. Ça, c'est des bonnes araignées, je crois, Jaco. Ça, c'est des très bonnes araignées, ça. Enfin, toutes les araignées sont bonnes. Mais ceux-là, elles sont bien parce qu'il ne faut pas de toile. On est bon, Jaco? On est bon. Bon, ben voilà, hein, pour voilà. Le semis de salade, poireau. Donc, trois façons de semer la salade. Il y en a un quatrième que j'ai pas parlé. Bah c'est en pleine terre. Vous pouvez la faire en pleine terre. Voilà. Quand vous avez la place en serre, vous faites un sillon, vous mettez votre salade. Bon, carré, on l'a volé. Exactement comme dans les caisses. Tout pareil. Mais en caisse, c'est mieux parce qu'on peut le déplacer. Si jamais vous avez besoin de la place dans la serre, on peut pas. Vous déplacez la caisse. En pleine terre, vous ne pouvez pas le déplacer là. Non, non, non. Voilà. On vous dit à très très bientôt. À la prochaine. La prochaine fois, on aura d'autres semis à faire en serre. Bon jardinage à tous. Au revoir.